La 11e édition des Jeux des collégiens de l'Ouest s'est déroulée sur la plage des Brisants à Saint-Gilles en présence de plus de 500 jeunes. Un tournoi de beach soccer et de beach volley a été organisé sous la tutelle de l'UNSS. Ce sont des matchs, je dirais, très festifs. Le but, c'est bien entendu de jouer, mais aussi de s'amuser et de prendre plaisir à une activité, je dirais, qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Parce que bon, au port, on est toujours sur du synthétique ou parfois du gazon. Ben, j'ai fait chaud, il y a le soleil. C'est amusant parce qu'on a nos camarades et tout. Ensuite, pour moi, c'est la première fois que je fais beach soccer et c'est bien. Voilà. Cette journée était placée sous deux thèmes, le sport mais également le respect de l'environnement. Le TCO était donc présent et proposait aux collégiens de visiter leur stand afin de les sensibiliser au tri sélectif des déchets. Sur un événement comme ceci, on sensibilise les jeunes concernant l'environnement. On les apprend à jeter les bons déchets dans la bonne poubelle. Donc à mieux trier, comme ça pour éviter par exemple... Du fait de recycler le carton, on va économiser du bois. Donc on explique ça aux jeunes, on les explique aussi. On a aussi des activités manuelles telles que par exemple, comme ma collègue vient de le faire pour pas mal de jeunes, la fabrication d'un porte-monnaie avec une brique de lait. Comme ça, ça évite de jeter et les jeunes sont intéressés. Un rendez-vous annuel devenu incontournable, organisé par l'Union nationale du sport scolaire. Une organisation réussie selon Dominique Laterrière, chargé de mission à l'UNSS, et Michel Kayser, directeur de l'UNSS. L'UNSS de La Réunion, c'est une formidable machine. C'est une machine qui est à l'image de ce qui se passe aujourd'hui sur ces jeux organisés par l'Ouest. C'est une machine qui accueille 20 000 jeunes de toute l'île. C'est une machine qui crée de l'émotion tout au long de l'année. 25 activités sportives. Et puis aussi, c'est une machine, c'est une organisation qui crée beaucoup de réussite de la part des élèves. L'UNSS, ce n'est pas que du sport, c'est aussi plus que du sport, puisque associé à toutes nos manifestations, on a toujours le souci du développement durable, de la féminisation du pratique et de faire de nos jeunes réunionnais les futurs adultes de demain. Voilà. Une organisation qui tourne très bien parce qu'il y a un petit staff de collègues qui est là depuis 7h du matin et on prépare tout. Donc sur le plan de l'organisation, aucun problème. Sur le plan de la manifestation, sur la journée par la suite, ça se passe très bien aussi parce qu'on a des élèves qui sont nickel, n'est-ce pas les filles ? Oui ! Une 11e édition triomphante. Un véritable moment de convivialité et de partage sous un temps somptueux.